Salut à tous, ça y est, c'est le grand jour, le départ pour Rotterdam. Et donc je suis déjà sur la route, il est 7h30. Direction Paris pour aller chercher les collègues. La Seine-et-Marne, c'est devant. Allez, c'est parti, je retourne en voiture et je vais les chercher. J'adore Paris, j'adore rouler à Paris. Des bouchons, et encore des bouchons. On the road to the... Yeah! Ah, road to la Marti. C'est parti! Dipper man! Voilà. Manager, le manager! On arrive avec le dipper et ça va faire très mal. Ça, c'est la dipper technologie, messieurs dames. Quand on est arrivé, ah, c'est bon, c'est trop cool, ça y est, on y est. Ça y est, on y est, c'est bon, ça va le faire. Yes, 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 yes. On monte un peu tout le matos. Et on a eu des jolis petits suites dipper. C'est pas la classe ça, sérieux. On va faire des jaloux, là, je crois qu'on va faire des jaloux. Bon là, c'est parti, on monte à la chambre. Ouais, c'est parti. C'est bon, ouais, ça tiendra. Avec moi, de toute façon, c'est toujours comme ça. Ça, c'est... Je l'ai baptisé Lucille. C'est la spéciale Iron Tournament. Avec deux bacs de stockage de 20 litres chacun. Plus deux porte-cannes, tu vois, on a des... Ouais. Porte-canne en PVC juste ici. Ils vont nous prendre pour des fous à l'hôtel. L'hôtel, ils vont rien comprendre. Allez. Ça, c'est vraiment très mal. Ouais, alors, mes amis, regardez. Il n'y a pas de cash. Cet ascenseur est un tube de fou. Vous avez pas pris France pour ma petite sacoche par hasard? Si, la voiture. On l'a prise. C'est le futur. Bon, je pose. C'est du roots, man. Le roots qu'il nous faut. Ah. Non, mais comme ça, on peut préparer, tu vois. On peut mettre voilà. Dans la charrette, on peut tout préparer. C'est ça, c'est fait. Bon. Du bon attractant. C'est pas classe, ces bâtiments. Vive Rotterdam. Alors, Nicolas, cet hôtel? Bah écoute, pas mal, hein, pas mal. Petit, mais pas trop loin des... Même les ingénieurs de toilette, ils sont bons, les gars. Faire le pré-fishing ce soir, ce serait cool. Ça nous permettrait de nous faire une idée de ce qui nous attend pour demain. On va essayer de dipper tout ça. Voilà, quoi. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'as dit, toi, sur les toilettes? Elles sont même cool, faut que tu viennes voir. Elles sont intelligentes. Alors, vas-y, décris-nous un peu ce système. Ils sont intelligents, ces ingénieurs, hein. Tu t'arroses pas le cul, comme ça. Yes! C'était l'instant de Léo! Non, mais la chambre est sympa, on a un superbe cadre qui représente pas du tout Rotterdam, mais. C'est Paris, mais on n'est pas dépaysé. Tu seras pas dépaysé? Ah! Eiffel Tower! Allez, c'est parti, on sort de la chambre d'hôtel. Et on va aller. Pêcher.
la porte de l'ascenseur se pousse en l'angle. Non mais là tu peux filmer, c'est-à-dire que on était dans l'ascenseur, on s'est mis dans l'ascenseur et on a attendu, on n'a pas appuyé sur le bouton. Et pour sortir, on a oublié de sortir. Il y a des mecs réveillés quand même. Pour l'instant, pas de poisson, mais le cadre est beau. Ça, c'est clair, le cadre, il est énorme. Avec le pont devant nous, pont suspendu, super. On est sur les quais. Pour l'instant, bon, quelques petites touches, mais pas méchant. On va voir. Deuxième. On nous en fait un deuxième. Les copains. C'est tout petit comme poisson, mais c'est un centre quand même. Et c'est le 2 décembre, 2 poissons quoi. Donc ça peut être intéressant. Il peut y avoir du plus gros quelque part. On est arrivé, on a traversé la grande partie là, du parcours pour arriver à Coolhaven pour le checkpoint. On va pouvoir prendre la photo et montrer qu'on y est bien allé. C'est sûr que c'est juste ça ? Ouais, c'est juste ça. Il n'y a pas des mecs de l'orgue ? Non. Non. Non, c'est ça. Voilà, le soleil est couché. Toujours aucun poisson maillé. Pour l'instant, c'est difficile. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à sortir beaucoup de poissons. Il s'est fait un peu de brochet. Et ceux qui sont premiers, c'est avec des aspes. Poissons qu'on n'a pas du tout recherché, qu'on ne connaît pas du tout. Difficile, on verra bien si on arrive à... On a des touches, on a pas mal de petites touches. Tous les quarts d'heure, on a environ une petite touche. Mais quelques grosses touches, mais jamais réussi à piquer un poisson. Voilà, donc on verra bien. On vous tient au courant dans la nuit. On se retrouvera peut-être. Into the darkness.
Toi vouloir cannabis? Merci. Toi vouloir cannabis? Déjà. Toi vouloir pute? C'est du vrai business international. Toi avoir consommé pute, toi? Nous allons dire à copine à toi. Toi avoir regardé cycliste avec jambes en l'air. Bon, je viens de faire un fiche. Une brème. On va voir si on n'a pas encore monté, on attend d'avoir le téléphone pour pouvoir faire les enregistrements. La mesure et tout, t'as pris? Non, mais ça me semble simple. On devrait y arriver sans problème. Mais j'ai pas de passion, moi. On va la monter dans l'herbe. Non, y a pas d'herbe tout de suite. On va la monter là. Vas-y, monte là. C'est une brème, ça. Non, mais y a une marche. Y a une marche. Amène ta carte. Tiens, la carte. Non, c'est premier. On va voir si ça maille. Ouais, ça doit pas être loin. Hein. C'est une bombe. Et par le growler. Hein. Le phospho. Hein. Comment elle s'est fait shooter. Le one-up phospho. Elle l'a aimé. Hein. Elle est maillée d'office, les gars. Oui, elle est maillée à 20. Ah ouais? Ouais. Tout ce qui est pas. Bon. Non, c'est non. Pas 30. Tu peux décoller ça peut la tête. Ouais, ouais. C'est bien, les gars. Allez. 30. Oh. Ça décape. T'es prêt pour la photo? Oui. Allez, vas-y, coco, avec elle bouge et tout. C'est bon, calme-toi. Si elle repart pas, t'as vu comment elle est shootée? Tu lui enlèves ta main. Enfin, ta main. Ou alors tu mets ta main, mais là. Ok. Tu la mets pas sur la queue. Ça marche pas. Ok. C'est bon, tu peux la remettre à l'eau. Faut plus tard de l'épuiser ta valeur. Attends. Ouais. Tac, tac. La canne. Les gars, ça va pas. J'arrive. Voilà. Elle est partie, c'est bon, elle est partie, yes. Elle est repartie. Phospho. C'est le phospho. Et pourtant il était gros. Hein. T'as vu comment elle l'a chopé? Truc lumineux. Boum. Elle a pas réfléchi longtemps, elle. Bonjour à tous, il est quasiment 7h, il nous reste 5h de pêche, donc ça nous fait c'est la 19e heure de pêche. Là on commence à être tous à bout, d'un point de vue physique, on va dire les pieds, il n'y en a plus pour tout le monde. D'un point de vue mental, Léo pêche toujours. Cette nuit, il a fait une brème de 38. Mais d'un point de vue global, à partir de 4h, on a commencé à être cuit. Le fait de prendre un poisson, ça nous a remonté un peu le moral. On s'est remotivé. Et puis bah là, on commence à être vraiment stone even, quoi. Des pierres tombales. Voilà pour ce petit point au lever du soleil. Ah, lever de soleil sur Rotterdam. Et pour l'instant, pas plus de poissons que la brème de cette nuit. C'est tout. Donc, un poisson maillé pour l'instant. Pas tout à fait fini, mais bientôt. Ah. Je me suis fait déchausser le leurre. Enfin, très légèrement, j'ai pris une touche, j'étais même pas sûr que c'était une touche et après j'ai vu comment leur il était sorti. Ouais, là, c'est clair que là, peut-être là où il est venu, ça fait un contre-courant un peu là sur cette zone. Parce que là, ça part directement dedans.